Méditation du 13 février. Pénina. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Proverbe 27, le verset 4. Le plus difficile n'est pas que Dieu ne nous donne pas ce pourquoi nous prions depuis des années. Un partenaire de vie, un bon travail, la santé, des enfants. Ce qui est difficile, c'est de voir Pénina tout obtenir. Voir 1 Samuel 1, le verset 2. Ce qui est difficile, c'est de sentir que Dieu répond aux prières des autres femmes, tout en ignorant les nôtres. Ce qui est douloureux, c'est de penser que nous sommes moins importantes si nous ne parvenons pas à battre cette rivale, cette Pénina de notre vie. La compétition et la comparaison avec d'autres femmes apparaissent lorsque nous fondons notre identité sur autre chose que la pierre angulaire. Comme l'explique Suzanne Barrache dans Tripping the Prom Queen, le croche-pied à la reine de la promo, le problème est que notre définition de nous-mêmes est liée à notre perception des autres femmes. Nous nous regardons à travers des comparaisons. Nous avons du mal à nous considérer comme des individus distincts, ayant leur propre destin. Nous pensons que nous gagnons quand les autres femmes perdent. Nous ne pouvons pas nous imaginer réussir ou échouer seules, mais seulement en comparaison avec d'autres femmes. La Bible donne de nombreux exemples de femmes qui se sont affrontées, de femmes rivales, Sarah et Agar, Rachel et Léa, Évodie et Saint-Ish. Leurs histoires reflètent la marée toxique que la comparaison et la compétition apportent dans nos vies. Mais la Bible offre un meilleur chemin, celui que Ruth et Noémie, Marie et Élisabeth ont emprunté. Comme l'explique Bethany Jenkins dans Women, we are co-workers, not competitors. Femmes, nous sommes des collègues, pas des rivales. Plus nous acceptons notre identité fondamentale de chrétienne, plus nous serons capables de voir les autres femmes comme des collègues et non comme des rivales. La prochaine fois que vous rencontrerez la Pénina de votre vie, je vous invite à vous rappeler que votre valeur et votre identité sont à jamais gravées dans les mains de Jésus. Zacharie 13, verset 6. À prier pour que Dieu bénisse cette femme et agrandisse son territoire. 1 Chronique 4, le verset 10, dans la version Summer. L'envie et la générosité ne peuvent coexister dans votre cœur. Quand vous choisissez de bénir Pénina, l'envie disparaît. Je vous invite à vous rappeler que Dieu écrit une histoire unique et originale dans votre vie. Dieu n'est pas à court de plans ou de bonnes idées. Ne vous comparez pas. Vous êtes un chef-d'œuvre dans les mains des plus grands des artistes. Prière, Seigneur, je te remercie parce que le succès des autres n'est pas mon échec. Lorsque je suis tentée de me comparer à d'autres femmes et de rivaliser avec elles, rappelle-moi qui je suis, ta fille bien-aimée. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.